Et y'a tout le monde, c'est Clash, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va apprendre, je vais vous apprendre à faire un PC réaliste. Alors pour ça, il va nous falloir un escalier, hein, un escalier en quartz, un bloc de redstone ou un piston. Un actuateur en gros, trois bannières en noir là, et un wagonnet, une rail n'importe laquelle pour poser le wagonnet, un piston, trois trappes, deux porte-armures et deux casques en maille, et un bouton en pierre noire. Du coup, pour commencer, on va prendre les trois bannières avec les trois trappes, et puis voilà, c'est pour la première étape. Aussi, on peut prendre. Non, ça, on n'en a pas besoin, on le fera après. On met les trois bannières, vous savez, une là comme ça. Pas droite, pas droite, une droite vers vous et une pas droite mais dans l'autre sens. Enfin, vous avez compris. Après, vous mettez la trappe ici sur ce bloc et puis voilà. Ça va faire trois. Pour vous montrer, ça fait trois écrans réalistes. Voilà. Et là, il va falloir enlever ça. Vous savez pas encore pourquoi, mais vous allez savoir. Alors, du coup, il nous faut le porte, les deux porte-armures, les deux casques en maille. Et puis voilà, un piston aussi et un bloc de redstone normalement. Ça devrait aller. Du coup, il faut bien se mettre, vous savez, pile dans le bon, la pile comme il faut. Parce que là, regardez, ça met un peu de travers. Je sais pas comment dire. Pile en face là, pour que ça soit tout droit. Du coup, faut se concentrer un peu. A few moments later. Comme ça, genre, vous m'avez compris. Après, on met les deux casques en maille parce que là, vous voyez, ça fait pas droit alors qu'ici, ça. Ouais. Après, on va mettre un piston. On met le béton. Ouais, de l'autre côté, on fait pareil. Après, on va mettre le bloc de redstone. On casse le piston. On remet le bloc. On fait pareil de l'autre côté. Bloc de redstone, casse le piston. Et on rebouche. Et puis là, ils vont être collés les armures. Mais comme je vous l'avais dit, regardez, il faut bien mettre droit. Sinon, regardez, ça me fait pas tout droit. Et après, pour finir, on met un piston là, un bloc de béton et un bloc de redstone. Et là, ça va faire un clavier. Après, c'est ce que je vous ai dit, il faut bien les mettre droit. Du coup, après, vous avez vu, j'ai marqué S à chaque fois, je sais pas pourquoi ça fait ça. Il va falloir faire le siège du coup. Du coup, on va prendre un escalier, un wagonnet et une rail. Du coup, on va poser comme ça le wagonnet. Et là, vous savez, on va se mettre en sneak. Et comme ça, là, on voit un petit, des petites bordures et on peut taper, ça casse les rails. Après, il va falloir mettre un bloc à gauche du wagonnet pour pas qu'il parte là-bas. Après, il va falloir mettre le siège dans le sens que vous voulez, du coup comme ça vous prenez un escalier comme vous voulez. Peut-être avant vaut mieux mettre le piston comme ça. Après, vous mettez un bloc de béton, vous prenez un bloc de redstone et vous poussez comme ça de façon. Ah mince, j'avais mis. Après, vous mettez un bloc. Du coup, je veux dire, vous poussez comme ça. Après, vous mettez le piston s'il veut bien se mettre. Et après, vous mettez comme ça. Comme ça pousse. Là, vous bouchez. Et ça vous fait un siège. Et ce qui est bien avec ce siège, regardez, c'est que si je fais clic droit, et ben, je peux m'asseoir dessus. Et là, ça fait une petite chaise tranquille. Et puis voilà. Bah, du coup. Après, pour la touche finale, il faut prendre le bouton et le mettre ici, et ça vous fait un setup gaming. Bon, bah, c'était avec là, j'espère que vous avez bien kiffé ce tuto, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le temps me hait. Ciao, ciao!